Les investisseurs se sont fait à l'idée d'une dévaluation continue de la monnaie chinoise alors que le yuan était dévalué pour la troisième fois consécutive ce jeudi. On assistait à un rebond technique sur les marchés européens alors que les marchés américains, eux, optaient pour la prudence. Le dollar est donc resté sous pression ce jeudi. Le couple euro-dollar perdait 0,62% à 1,1095 $. La livre britannique dollar restait stable à 1,5607 $. Enfin, le dollar yen, de son côté, gagnait 0,31% à 124,59 ¥. En gros plan ce jeudi, Trading Central s'intéresse au duo livre britannique-yen. La paire se maintient au-dessus de son support à 193,80 ¥ et continue sa progression. Au-dessus de ce support, prévoyez des cibles à 195,05 ¥ et 195,40 ¥ en extension. Du côté des métaux précieux maintenant, on a assisté à un rebond et Trading Central mettait l'or en focus ce jeudi. Le métal précieux est soutenu par une ligne de tendance ascendante depuis le 7 août dernier. Une consolidation qui pourrait bien continuer, mais dans une certaine mesure. Prévoyez des positions longues au-dessus des 1108,8 ¥ avec des cibles à 1127 et 1135 en extension. Et l'argent, pour finir, était en baisse de 0,7% à 15,42 $ l'once 3. Pour Trading Central, depuis le Stock Exchange de New York, c'était Alexandra Déglise. Bonne journée à tous et à demain.